Bonjour! Donc, on est déjà jeudi le... donc, je ne sais pas la date, je pense qu'on est le 10. Isabelle me dit le 10. Donc, aujourd'hui, hey, 10 février, Colin, que ça arrive vite, la Saint-Valentin s'en vient. Hey, justement, pour pendant que les gens se branchent, je vais vous montrer quelques items de la Saint-Valentin. Et hey, là, on est excités ce matin, on a une nouvelle compagnie en boutique qui vient d'arriver, qui est nouveau ici. Je suis pas sûre même que c'est offert au Québec, où ça commence à peine. Donc, on est allé vous dénicher une nouvelle compagnie qui ressemble à rien d'autre. C'est ça qui est intéressant. Mais avant que, pendant que les gens se branchent, si vous pensez à vos cadeaux de Saint-Valentin, je vais vous montrer d'autres modèles de la collection Saks, qui est vraiment, moi j'ai trouvé que ceux qui ont la flamme de leur conjoint, époux, mari, amoureux, donc. Et puis, ça c'est le côté flamboyant, et on a ici la tête de mort, qui est le diable. Hey, il y a des cornes. C'est le diable qui nous porte à la tentation, donc je pense que c'est peut-être la tentation pour la Saint-Valentin. Ça pourrait être un beau cadeau à offrir à notre conjoint. Celui-là, c'est le modèle avec les petits trous. C'est un des modèles qui est bien aimé, que je ne sais pas si vous voyez de près, là. C'est très facile, ça sèche vite, vite. C'est doux. Les gars aiment beaucoup ce tissu-là. Donc, c'est le Boxer D Tripper. Il est juste 26,95 celui-là. Ça va de 26 à 36 environ, tout dépendant. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il nous reste dans la grandeur que votre conjoint prend, ici, dans le fond, là, il y a les grandeurs. C'est vraiment les petits, ceux qui habillent de 30-32 jeans. Le médium de 33 à 34. Large, 36-38. X-large, un peu plus grand. Donc, on a même du XX-large qui est 43-46 pour les clients là, qui sont un petit peu plus... Il y en a qui sont grands aussi, hein? Et moi mon préféré, c'était vraiment les petits... je l'ai montré la semaine dernière, mais moi, c'est mon préféré, les petits biscuits chinois. Mais aussi, ceux qui veulent... dire à leur chum, donner un petit message à leur chum peut-être, hein? Mais ceux, les gens qui aiment le football, qui aiment grignoter entre les... qui aiment le sport, hein? Ceux, les fanatiques de football, ici, on a pour le Super Bowl qui s'en vient, hein, je pense, en fin de semaine. Donc, celui-là, puis les peanuts, ça déniaise, hein, pour la Saint-Valentin, ça peut être une bonne façon. Et là, je dis des niaiseries, hein, désolée. Et vous êtes déjà 89 en ligne. Donc, je vous dis merci d'être là. Puis, pour vraiment nous aider, nous remercier, hein, il y a Chemin Client de Saint-Hyacinthe. C'est quoi déjà ton nom? Martine de Saint-Hyacinthe qui vient de faire un achat. Elle nous a dit qu'elle a été la première à acheter une des choses qu'on va vous montrer ce matin. Parce qu'on vous montre la nouvelle collection que je porte ce matin. C'est vraiment très flyé. Là, j'ai mis la totale. On n'est pas obligé de mettre le look total comme celui-là. Je vous dis, là, pour ceux qui veulent le 34,95, le Volt, c'est un des plus populaires dans la collection de Saks. Donc, la collection que je vous montre aujourd'hui, je ramène mon rack pour vraiment que les couleurs soient plus proches. Ça fait différent. J'ai un tickle, hein? Je pense que c'est ça, là, ceux qui aiment les chiens. J'ai mis la petite boucle foulard qui fait toute la différence. Je vais juste vous montrer là, avant et après. Le petit tickle qui fait vraiment le tour. Regardez si c'est vraiment le fun avec la petite queue. Il fait vraiment le tour. Moi, j'adore. Qu'est-ce qui est très, très spécifique à cette compagnie-là? C'est la douceur. Écoute, c'est confortable, c'est doux. C'est vraiment très agréable à porter. Celui-là, il y a un beau petit capuchon. Pour les gens qui aiment les capuchons, vraiment très intéressant. Et on a le pantalon Sarouel, qui est vraiment le pantalon très sloppy. Il y en a qui vont l'appeler Aladdin. Écoute, il est fait quand même généreux parce que j'ai le small, je pense, sur moi. Je vais vous dire les prix de ces collections-là. Donc, ça arrive directement de Los Angeles, la compagnie Inoa, qui est le pantalon est à 134 $. Là, je vous ai dit, là, moi, je vais vous enlever la petite boucle foulard. Gardez tout de suite quand on met un petit carré comme ça, ça écrase la silhouette. Surtout que moi, je ne suis pas très grande. Hein? Fait que ça écrase. Là, on a des gens de l'extérieur qui viennent envahir notre vidéo. On n'est pas contente. Donc, la petite boucle foulard. Regardez, ici, on a des poches. Hein? Isabelle me ramène à l'ordre. Donc, ici,
étant donné que c'est un look plus slumpy, puis avec un truc plus large en bas, le truc de la boucle foulard, vous avez vu avant et après, je vous montre, ça fait toute la différence. Juste de remonter le côté, ça allonge la jambe, puis tout de suite, ça nous donne la longueur. Donc, allonge la silhouette, tout le monde aime ça. Donc, voilà, ce beau chandail-là, qui est vraiment magnifique avec le teck, est doux. Écoute, c'est une douceur, c'est une caresse. Pour la peau, vraiment quelque chose. Un petit coup de cœur, c'est le fun aussi. Gris, mais avec des tons colorés, c'est des choses qu'on peut porter tout de suite. On pourrait même mettre un col roulé en dessous noir, la manche qui dépasse. Il est 115 $ celui-là dans la collection de Inoa. Le pantalon, je vous le montre tout de suite. Le pantalon vraiment très confortable, taille élastique. Ça peut être même un vêtement d'intérieur pour l'été. C'est très léger, super agréable à porter. Je vous ai dit le prix, je pense, celui-là, 134 $. Là, je l'ai assorti avec la camisole. Hey, écoute, je vous ai les premières vidéos là, qu'on a faites en temps de pandémie, c'est cette camisole-là que j'utilisais dans la collection de Black Tape. Ils ont fait la version rose bonbon, comme j'appelle, et avec la petite, le petit, comment on pourrait dire, c'est un peu plus semi-transparent, la bretelle ajustable qui est vraiment super jolie. Puis, je ne sais pas si vous voyez le tissu. C'est un effet lin, mais pas froissant du tout parce que c'est un polyester. C'est vraiment beau le tissu. Donc là, je vais pour remettre les autres items. Il y a des robes dans la collection. Je vous enfile tout de suite une robe. Donc, et puis, il y a Isabelle qui va nous montrer parce qu'on a deux collections à montrer. Vous avez vu juste en haut, Black Tape et la collection de Inoa. Donc, Isabelle, nous, là, je voulais souligner que le pantalon blanc est un essentiel pour l'été dans la garde-robe. Vous allez avoir partout du blanc. Et puis, regardez le look blanc avec du noir comme c'est joli. On a juste ajouté une petite pointe de couleur pour puncher le tout. Isabelle, tu peux t'avancer. Encore là, hein, on a un petit peu de... Ah ben, regardez, elle a accessoirisé Isabelle en plus pour le 5 à 7. Donc, on y va. On fait juste le mettre. Regardez, ça fait toute la différence. Ça vous fait une asymétrie. Ça allonge la jambe, ça fait toute la différence. Puis ça reste camouflé le ventre, malgré que Isabelle n'a pas vraiment de ventre. Peut-être un peu. Donc, avec le soulier assorti, puis on a mis un beau sac de la collection Dolce&Gabbana. J'enfile une robe de la collection. Oh, j'ai pas dit les prix. Ça, la nouvelle tendance également. Hein, Isabelle, ce matin, elle est en forme. En feu, comme on pourrait dire. Dans le fond, ici, on a les petites épaulettes. Ça revient, les épaulettes. Donc, le look, vraiment, c'est très joli pour les gens, en plus, qui ont moins d'épaules. C'est vraiment un parfait match, parfait pour les gens qui ont des petites épaules, pour vraiment leur donner un peu plus de color. Là, Isabelle se transforme pour un 5 à 7. Donc, on a mis pour le bureau. Pourquoi pas? Ici, encore là, hein, Isabelle, j'ai un autre client qui m'a dit... Quand ça descend vraiment carré, c'est quoi le truc? Montre-nous ça si t'es capable. Donc, vraiment un petit truc. Oh, avec des poches, là, on le par les pointes. Par une pointe. Donc, vous prenez une seule pointe et puis vous y allez. Vraiment, ça fait plus fluide. Voilà, ça fait plus fluide. Ça allonge davantage la silhouette. Hey! Hey, on a tu une équipe d'enfer? C'est Suzanne qui nous rappelle à l'ordre. Oui. Okay. J'aimerais souligner la fête de Madame Vaillancourt. Oui, Marc-Claude Vaillancourt qui fête son anniversaire. C'était hier. Bon, excusez, hein, bonne fête en retard. On était en deux vidéos. Donc, Marie-Claire Vaillancourt, donc, qui fête son anniversaire. On voulait lui souhaiter bonne fête. C'était le 9, on est 10. Okay. Suzanne m'a rappelé à l'ordre. On a parlé des boxers pour hommes, mais vous pouvez ajouter un petit certificat cadeau de la boutique Elle et moi pour la Saint-Valentin. Ça pourrait être pour une amie. Ça pourrait être à moi de moi. Ça pourrait être une suggestion pour votre conjoint. Donc, vraiment, n'hésitez pas. On peut vous l'envoyer, le certificat cadeau, par courriel, donc, ou bien par la poste également. Parce que par courriel, ça arriverait assez vite pour la Saint-Valentin. Donc, le jour même, on peut l'envoyer. Donc, voilà, vous pouvez souligner la Saint-Valentin avec boutique Elle et moi. La robe que je porte, regardez ça, petit col rond. On l'appelle ici Cruella parce que la dame est là, un dalmatien avec elle. Les poches, vous voyez que c'est un look très vaporeux. Donc, ligne A, les gens qui ont des rondeurs à camoufler, que ce soit au niveau du ventre, au niveau des hanches,
encore là, la douceur vraiment super doux de cette collection-là. Vraiment très jolie. Puis, une belle longueur, dans le fond, avec juste genou. Donc, longueur genou qui est vraiment très jolie. J'adore avec le jaune. Punch de jaune, hein? On voulait en voir beaucoup de jaune pour cette saison-ci. Vraiment jolie. Je pense que je vous ai montré à l'arrière. Donc, imprimé partout. Une autre de la collection Inoa. Je vous montre les autres robes également. Donc, celle-ci, je vous dis le prix. C'est tellement léger, mais à l'intérieur, c'est un effet un peu coton, mais pas ouetté. Celui-là, il n'est pas brossé. 148 $, la petite... parfait pour aller en vacances. Puis l'été, je suis certaine que le tissu va bien respirer. C'est doux, c'est vraiment agréable à porter. Donc, là, je porte du small. Donc, c'est fait généreux. C'est vraiment une collection qui est faite généreuse. Donc, dans le small, c'est bien pour ça, un peu comme dans la collection de Tricoto. Et, donc, je continue, je vais essayer d'autres robes avant de me mettre un pantalon. Et ça, c'était un peu mon cœur. Ça me fait penser vraiment à la peintre de... Comment elle s'appelle, là? J'ai vraiment un... Elle avait des gros sourcils. Hey, c'est quoi le nom de la peintre avec les gros sourcils? La peintre avec les gros sourcils, là, espagnole. Caro? Non, 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 non. Dali. Encore plus. Salvador Dali. Non, elle était. Comment? Frida. Frida! Ça me faisait penser aux peintures de Frida, ah, exactement. Parce que là, c'est notre spécialiste de la peinture. J'ai demandé à quelqu'un qui connaissait ça. Mais Frida, moi, j'ai toujours eu un petit faible pour cette peintre-là. Je trouve qu'elle a un beau parcours. Voilà, encore là, des poches comme on aime. Puis c'est pas des poches qui grossissent, c'est vraiment qui sont camouflées. Ça, c'est quand même assez, un imprimé assez fort. Manche ou corps, ça, on aime ça. Vraiment hyper confortable, super doux. Encore une fois, je sais pas, je le dirai peut-être pas assez souvent. Vraiment un bel imprimé. Toi, tu pensais à Picasso, quoi? Moi, j'ai pensé à Frida. Donc, je vous dis le prix de celle-ci. Là, j'ai assorti un bijou. On n'en a pas vraiment besoin, mais pourquoi pas? Ça fait une petite ligne. Vous savez que quand on met une ligne parallèle, verticale, ça allonge la silhouette. Celui-là, c'est un bijou qui est transformable. On peut le mettre court, moyen ou long. 39 $ donc, dans cet item-là. Donc, vraiment, écoute, c'est comme si j'avais rien. Je suis tellement confortable dans ce tissu-là. J'adore. Pour les gens qui ont la peau fragile, c'est un tissu incroyable. Donc, j'ai fait un deuxième look. Bon, Isabelle, nous a fait un deuxième look. C'est pas. Non, c'est pas la bonne couleur. Tu sais, on avait dit la veste noire de Frank Lyman. Ah. Bon, donc, celui-ci. 148 $ la manche trois quarts, la robe manche trois quarts. Écoute, vraiment le confort total. Là, j'enfile. Il me dit une autre robe. Ah, c'est toi, Isabelle, je pense qu'il va la porter, la robe, la dernière robe. Parfait. J'enfile. Toujours. Ben, la collection Black Tape, c'est vraiment la camisole là, que, comme je vous ai dit, j'ai peut-être pas dit le prix. Elle est 55 $. Vraiment un beau petit rose bonbon. Rose. Bubblegum, hein, comment on pourrait dire. Ça, c'est le legging hyper stretch. Je pourrais dire que c'est le jegging de Black Tape. Vraiment, le pantalon est hyper confortable. C'est de valeur que je ne puisse pas. Je vous le montre de près. Il est tellement doux, là. Il doit avoir un mélange de viscose dans ça. C'est ça. Oui, on a du coton, viscose, polyester, élastane. Je vous l'enfile. Donc, dans Dex, c'est quand même fait plus un petit peu plus junior comme look. Fait que c'est le médium que j'enfile. Habituellement, c'est pas mal toujours du médium que je porte dans Dex et Black Tape. Donc, je vous enfile ce jegging qui est... c'est sûr qu'il est un petit peu plus bas, 70 $, que la collection Tricoto. C'est pas tout à fait le même style. Hein, en passant, là, c'est fou comment on a bien vendu les jegging de la collection Tricoto. Il manque des tailles présentement. Oups, ouais. Mettons que... Je pense que... Hey, il est donc fait petit. Ah, hey, regarde, c'est la taille, je pense. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la taille. Donc, je vais juste le remonter. Isabelle va aller me chercher. Ouais, c'est la taille. Mais une fois monté, d'après moi, ça va être bon. C'est le jegging de... Et ah, oh, il est très haut. Hey, la taille monte haute. Mais en fin de compte, là, je pense qu'une fois monté,
On dirait que c'est la bonne taille. Je vais dire, écoute, c'est tellement stretch. C'est vraiment très, très, très confortable. C'est un jegging, ça veut dire legging jeans, que ça fait vraiment un beau look. Là, je vous essaye des tuniques avec ça, ça va être vraiment joli. Donc, les amoureuses des chats, on a un chat qui graphine ici. Vraiment très, très joli. Col en V. Donc, encore là, douceur incroyable. Juste à enfiler ma main dedans. Je trouve ça vraiment très, très doux. Col en V pour les gens qui aiment qui ont les poitrines plus fortes. Ligne A, encore là, très intéressant. Là, je le porte vraiment pleine longueur, mais je pourrais juste ajouter un petit point à l'intérieur comme ça pour vraiment garder, lui donner. Ça, on garde le camouflage ici, mais on allonge la silhouette de cette façon-là. Donc, vraiment très doux encore là. Manche trois quarts. Regardez les détails là, des imprimés. C'est vraiment un effet chiné, mais vraiment différent. Que c'est doux, ça. J'adore. Donc, le chat ici. Donc, je pense qu'il s'appelle Scratching quelque chose. Je vous dis le prix de celui-là. Et on continue, sans plus tarder, avec le reste. Bon, ben, je vais t'arranger ça, Isabelle. C'est-tu la chemise qui est trop grande? OK. Bon. 128, la belle... chandail long, hein? Je suis en train de le mettre en l'envers. Donc, on pourrait l'appeler celui-là chandail long. Il est quand même assez long pour mettre avec un legging. Ah, là, j'avais même un beau petit bijou qui aurait pu être beau assorti avec ça. Vraiment, pour allonger la silhouette encore là. Je continue avec la... OK. Qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que j'ai dit l'item à avoir dans votre garde-robe pour l'été? C'est le pantalon blanc. Liverpool en a fait un vraiment beau. Regarde, on va faire tout le principe. On va y faire un look à Isabelle. Donc, le pantalon de Liverpool, celui-là, il est droit. Tourne-toi sur le côté. Là, c'est sûr qu'il est à peine un petit affaire, peut-être. Bon, non, quand même. Droit. Donc, si on est tanné des skinny, allez-y avec le droit, qui est comme près quand même de la cuisse, mais trop près, pas trop près du corps. Cette blouse-là, idéale pour camoufler. Vraiment, on fait attention à mettre les petites coutures sur l'épaule. On pourrait l'agencer juste un petit peu. Hein? J'ai les mains froides. Hein? Juste garder. Hein? Ça fait toute la différence pour allonger la silhouette. Et on a la veste qui pourrait... un look total blanc. On va ajouter pour aller faire le matin quand c'est plus frais au printemps. On va avec la veste de Frank Lyman qui est magnifique. Donc, total look blanc ici. Par-dessus. Donc, mais voilà. C'est une éclair. Ah, ça, c'est une éclair? OK, bon. Fait que, juste pour vous montrer le look, là, avec les beaux petits détails d'écriture de la collection Frank Lyman. Donc, je pense qu'on... Vous aurez juste une éclair? Deux. Il y avait une médium? Ah, ça veut dire peut-être qu'elle est déjà vendue. Elle est vendue. Ah, elle est déjà vendue. Mais en tout cas, si jamais vous voulez une taille différente, on peut probablement la commander à la compagnie. Donc, je continue sans plus tarder. Donc, comme j'ai dit, le pantalon blanc, Isabelle a fait plusieurs looks avec le pantalon blanc. Je pense qu'elle a encore des looks à faire aussi avec le pantalon blanc. Je continue avec... Ah, ça, c'est un de mes coups de cœur. Regardez, c'est une tunique, chandail tunique. Regardez les détails avec... Vraiment, c'est de l'or, hein? On dirait que c'est un peu comme... c'est vraiment comme un peu des graffitis. 135 $, cette tunique-ci, je vous l'enfile. Avec le jeans, le jegging. Écoute, c'est confortable ça, ce jegging-là. Vraiment super confortable. Et faut, comme au début, il faut la mettre. Donc, celle-ci est faite un petit peu plus étroite. Hein, tout de suite, là, moi, je pourrais donc la porter dans une taille de plus. Si on veut être plus un peu plus sloppy comme look. Et vraiment, hein, les couleurs sont magnifiques. Très, très jolie. Beau petit cordonnet plat. Avec les beaux détails en arrière. Fait que celle-là est un petit peu moins généreuse. Donc, vraiment, super beau détail ici. Je vous montre là, les imprimés de plus près. C'est tellement beau. Donc, voilà, on a de la collection InnoA. On continue sans plus tarder. C'est sûr qu'avec le jean, ça va être super joli. Isabelle, il reste... OK, parfait, il restait courbe de fin. Il fallait dire aussi que... Regardez-vous. Oui, c'est ça qui est intéressant, justement. Tu sais, je disais tantôt, c'est camouflant, puisque quand on a deux épaisseurs, un peu comme ma camisole, hein,
c'est toujours plus camouflant puisque on a vraiment deux, c'est doublé. Fait que c'est vraiment l'idéal là, pour la silhouette. Le polo va être assez présent aussi, le col polo pour la saison prêt-à-été 2022. Fait que c'est vraiment un item à avoir dans sa garde-robe. Le chandail, ils sont un peu plus courts pour aller avec les tailles hautes. J'ai peut-être pas dit 65, le beau, c'est comme top chemisier ici, sauf qu'on n'a pas les boutons. Donc vraiment en chiffon, très très intéressant puisque totalement doublé. Donc remonte ta petite bretelle ici. Ah, ça ici. Ah, je vous ai dit le prix. Donc Isabelle nous arrive avec un autre look. Moi, je vais enfiler un autre tunique qui est vraiment très belle également. Le petit top, hey, on a porté ça quand on était plus jeune. Le nid d'abeille juste en haut qui fait vraiment un beau petit look. Le lavande, hein, le beaucoup de... Hey! Elle me tape! Le lavande. Regardez le bijou, si c'est si, bien assorti. On a du lavande dedans, du bleu, du rose. C'est vraiment un beau petit look très frais pour le frais plein été. Hein? On pourrait le porter aussi. Ah, attends, c'est sur le côté. Bon, ce top-là ici, Isabelle porte le médium à 65$ de la collection Black Tail. J'enfile un autre beau dessin aussi qui est... Celui-là, il est vraiment très, très slappé. C'est vraiment un look avec... Ah, là, tu vois, je vais rentrer ma camisole pour vraiment avoir le look total. Elle aussi, la camisole, hein, il y a deux épaisseurs. Fait que c'est vraiment intéressant à porter. C'est flatteur pour la silhouette. Donc, je fais juste rentrer à l'intérieur pour vraiment vous montrer le look. Vraiment beau, celui-là aussi. Hein? Manche au coude, cette fois-ci. Donc, vraiment un look plus chauve-souris avec les détails aussi de l'imprimé. Quasiment une histoire hein, qu'on a sur les détails de l'imprimé. On a un chat ici qui est en train... Donc, celui-là est un petit peu arrondi. Donc, vraiment un beau détail. Vraiment, moi, je le porterais vraiment slappé, celui-là. Je trouve que, étant donné qu'il est arrondi, ça lui donne quand même un bel effet. Donc, encore là, avec la belle douceur. Ah, j'ai le petit bijou ici que je vous ai... Parce qu'il est 20... J'ai mis l'étiquette ici. Très, très léger. 20$. Bien, très discret, mais avec des petites touches colorées. C'est une belle petite feuille. À ceux qui veulent me le demander, c'est 20$ de la collection Axel. Donc, le chandail que voici, je vous dis le prix, toujours de la collection, de la même collection. Donc, encore là, je vous dis, pendant que je cherche le prix, 128$, le chandail oversize, celui est vraiment fait très, très slappé. Moi, je vous ai montré mon petit bijou. On avait également... aussi un bijou qui pouvait être très joli avec, qui va aller chercher vraiment le petit camel qu'il y a dedans avec le marine également. 35$ pour le collier. Est-ce que j'ai fait le tour de... Ah! Celui-là, c'est le tissu qui est vraiment magnifique. C'est une ratine. Ça, vous allez en voir un peu plus hein, de la ratine. Donc, toute de ratine à l'intérieur, mais il est quand même léger, il n'est pas lourd du tout. J'adore le tissu de ça, c'est ok. Et c'est vraiment confortable aussi. 135$, le capuchon, le chandail idéal là, pour mettre quand on sort de la piscine, même si on est un peu mouillé avec la petite ratine, là, ça absorbe le tout. Donc, encore là, comme je vous disais, c'est du small que je porte, c'est généreux. Ça pourrait être vraiment intéressant de le tourner, puisqu'on a le revers ici de la ratine, qui va faire un rappel au niveau du col, assez échancré, mais quand même une belle, un beau détail aussi, plus long à l'arrière pour cacher les fesses et plus court à l'avant. Donc, ça lui donne une belle silhouette. On a même des poches. Bon, mais je n'avais même pas vu. Isabelle me rappelle à l'ordre encore une fois. Donc, on a ici des poches qui sont toujours, hein, des fois, on ne sait pas où mettre nos mains. C'est toujours le fun d'avoir les poches ou des fois on met notre masque. Hein? Je pense pas qu'on ait fini pour le masque, mais on est chanceux parce que là, on a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut aller au spa, on peut aller au resto. Hein? Ça fait du bien de sortir, montrer nos nouvelles choses qu'on a achetées. Ça, c'est ce qui est intéressant de cette compagnie-là, c'est qu'on peut les porter maintenant. Donc, ça nous donne, hein? Des fois, on est tanné de porter nos choses de l'hiver. On trouve ça plutôt long. On a hâte au printemps, on va avoir un petit punch de lumière, hein, comme on pourrait dire, 135, le chandail avec la ratine. Encore là, on m'avait mis un beau bijou que j'ai oublié de mettre. Je vous le montre à l'instant. Regardez avec le beau vert qui va faire un petit rappel du vert qu'on a dans notre chandail. Donc, celui-ci, il est le bijou 24$ dans la collection, toujours de Axel. Bon, vous savez, le pantalon blanc est vraiment dans les tendances. Et le nœud, vous allez en voir énormément aussi des nœuds.
cette petite blouse-là, on l'a eue l'année dernière, elle est encore plus belle cette année parce qu'elle était vraiment, la longueur est encore mieux. L'année passée, elle était un peu courte. Là, elle est parfaite. En tencel, les gens adorent ça. Je vais aller de l'autre côté. Le prix, regardez, 100% tencel, ça c'est parfait pour les gens qui ont chaud, que 75$ seulement. C'est vraiment un beau bleu délavé, tu peux approcher pour que les gens voient vraiment le bleu délavé. Donc, avec le petit bijou que Isabelle elle a. Donc, c'est le bijou qui est long, qu'on peut mettre vraiment dans le cours ici. On peut l'ajuster facilement celui-là. C'est dans la collection de Axel à 25$ seulement. Bon, donc intéressant de pouvoir faire les deux. Moi, pendant ce temps-là, j'enfile. Ah, celui-là aussi est beau. C'est encore là, il est asymétrique celui-là. C'est encore le petit chat qui graphigne. Ah, qui est doux celui-là. C'est encore plus velouté sur le dessus celui-là. Je vais juste l'enfiler pour vraiment vous montrer. Très, très joli également. Avec un asymétrie. Ça, là, c'est comme si on a vraiment, justement, on n'a pas rien à faire. Celui-là, on le laisse tel quel puisque il allonge la silhouette puisqu'on voit vraiment la jambe qui est un peu plus longue. Encore là, vraiment de beaux détails à l'arrière. Ça là, c'est vraiment très doux. Je le porterai aujourd'hui. Là, avec le jogging, avec un jeans, mais même j'irai jusqu'à le porter, pourquoi pas, avec un petit cuissard court. Je sais pas, même celui-là, il est tellement léger, ça pourrait être beau qu'un cuissard court. Je trouve que ça fait différent. Des fois, de mêler les longueurs, ça nous fait vraiment tout à fait un autre silhouette. Donc, celui-là, je vous dis le prix. Asymétrique. J'aime beaucoup la symétrie de celui-là. Écoute, vous ne pouvez pas lui toucher, là, mais écoute, c'est doux, ça. C'est le bonheur. Donc, ça fait plusieurs fois que je le dis. Hein? Je pense que c'est important de se sentir bien dans un vêtement. Moi, j'ai une peau assez fragile, donc il y a beaucoup de fibres que je ne suis pas capable de porter. 128$ pour le chandail asymétrique de chaton. Je pense qu'il n'y avait pas la photo, j'ai été obligée de le mettre dans moi-même, de se poser ce matin en vitesse pour qu'il soit sur le site internet. S'il n'est pas, celui-là, s'il n'est pas déjà sur le site, il y avait le pantalon aussi qui manquait la photo. Je me suis dépêchée à le faire les photos ce matin. Donc, il devrait être sur le site maintenant ou dans l'heure qui suit. Là, on a Isabelle qui a la belle robe. Une robe un peu plus longue. Hein? Isabelle est plus grande que moi, ça va être parfait pour ça. Mais pas une trop longue grandeur. Encore là, avec les beaux. Elle est vraiment slappée, celle-là. Donc, c'est une robe qu'on peut camoufler. On a des poches, Isabelle. Hein? Tu n'avais pas vu ça? Ben oui, je sais. Hey, vraiment col rond. Hey, les couleurs sont belles. Tu peux approcher pour vraiment montrer qu'est-ce que ça donne au. J'aime bien ce petit détail. Le petit surpiqué qu'on fait ici. Bon, parfait. Ah oui, OK, il y a un détage au niveau de la taille. On a l'ouverture sur le côté de la robe aussi qui est intéressante. Donc, voilà. La petite robe de la collection, je vous dis le prix tout de suite. 148$, manche trois quarts, ça, on aime ça. Puis, on peut la tourner aussi, hein, les gens qui ont envie d'avoir une manche au coude. Regardez si ça donne un autre look quand on raccourcit la manche, ça fait un peu plus sport. C'est vraiment une façon de... Moi aussi, j'aime bien ça, rouler, là, ça fait toute la différence. Bon, un autre... L'autre bord aussi, ça me fait penser quand on roule les manches aux enfants. Bon, voilà, fait que c'est une des robes de la collection Inoa. Moi, je porte maintenant le bijou que je vais rajouter par la suite. Je porte... Ah, un beau... Ça, c'est un beau V profond. Là, c'est sûr que c'est même joli avec ma petite feuille, mais je pourrais quand même ajouter une longueur ici pour ajouter un petit détail intéressant. Ligna, c'est parfait. J'utilise des poches dans ça aussi, non? Non, donc... Ligna encore là, très intéressant pour les clientes qui ont au niveau des hanches un peu plus de rondeur. Vraiment super beau. On voit aussi, tu sais, qu'on ne la remplit pas, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment vaporeux. Encore là, je pourrais ajouter une petite pointe à l'intérieur pour vraiment... Là, c'est sûr qu'elle est plus lourde. C'est peut-être plus avec la... Là, je pourrais ajouter la boucle de ceinture. La boucle, je suppose. Ah, je l'ai peut-être laissé après mon chandail tout à l'heure de Tekel. Je vous montre rapidement. Quand c'est trop vaporeux, on ne peut pas le mettre à l'intérieur. Donc, oui, je pense que je l'ai ici. Allez, je vais enlever la boucle ici pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec le ici. Donc, étant donné que c'est beaucoup, on y va avec la boucle de fleurs. Ça lui donne. On peut la mettre un peu plus haute, justement.
pour vraiment lui donner un autre look. On la... Voilà. Donc, vous voyez tout de suite, hein, ça met la tension ici qui allonge la cuisse ici. Puis, ça nous garde quand même au niveau de camouflage. Là, il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, je ne sais pas si vous l'avez, la boucle foulard est seulement 7$. Des fois, quand vous faites une commande, ajoutez-la à votre commande. C'est vraiment pratique. C'est facile à agencer avec plein de choses. Puis, donc, je veux juste voir, être sûre que j'ai tout passé à travers ma collection. Donc, voilà. Il y a quelque chose qu'on vient d'avoir aussi, une belle veste de la collection Black Tape que je vais ajouter ici. Donc, on a, là j'enfile la médium. Gardez les détails de, peut-être qu'avec ça, ça va être trop, hein? Pas sûr. Ouais, je vais l'enfiler pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Je pense que la couleur est bonne. Donc, vraiment la veste boléro, qu'appelle, là, qui attache pas. La veste qui, avec les manches bouffantes, vous allez en voir beaucoup aussi. Tout ce qui est manche un peu plus puffy, c'est vraiment la tendance. Donc, voilà, avec le détail de la manche ici, avec la dentelle, on la place pour qu'elle tombe mieux comme ça. Donc, voilà, petite manche bouffante ici. Ça pourrait être joli avec une petite robe aussi également. Donc, voilà, celle-ci, elle est de la collection toujours Black Tape. Donc, à 80$, vraiment avec la belle dentelle, très jolie également. Donc, c'est tout pour la chronique d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, il y a plusieurs clientes qui nous disent qu'elles adorent nos capsules. Pour nous remercier, partagez notre vidéo. Ça fait toute la différence pour nous. Ça nous fait voir ailleurs. Ça nous fait découvrir par d'autres clientes. On a souvent des nouveaux clients grâce à vous qui partagez la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour encore de belles nouveautés. Je crois avoir entrevu un courriel qui me disait que la collection Désigual devrait arriver. Donc, je pense que le prochain vidéo, ça va être la collection Désigual Printemps 2022. Merci. Bye bye.